Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Je souris parce que j'ai tellement ri et j'ai mal aux côtes. J'ai trop ri parce que j'ai vu une publication qui m'a tellement fait rire que bon, j'ai dit, il faut que je partage avec vous. Parce que vous savez, s'il y a des gens qui me connaissent mieux et qui me fréquentent plus, c'est vous depuis, certains depuis 2 ans, d'autres depuis 5 ans, d'autres depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, vous me connaissez déjà. Donc, je ne vous cache rien. Quand je suis heureux, je vais partager avec vous. Donc, je le suis déjà d'ailleurs tous les jours, hein. Heureux, parce que Dieu le veut. Alors, mes chers compatriotes, je voudrais commencer cette vidéo par vous remercier pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Je veux encore avoir une pensée pour ce couple. Et le couple Fincam, qui est en ce moment emprisonné, incarcéré de l'autre côté du sud, pour avoir pris une photo à côté de la présidence de la République dans leur propre pays, le Cameroun. Donc, j'implore, en fait, j'invite, je n'implore pas, implorer c'est le pardon, non, j'invite les autorités camerounaises à être responsables et libérer ce couple-là, qu'ils rentrent chez eux, vaguer à leurs occupations. Et s'occuper de leur famille et leurs enfants. Alors, mes chers compatriotes, il y a une publication qui m'a tellement fait rire que j'ai nommé cette rubrique Bicam Comedy Club. Bicam Comedy Club. Vous allez comprendre, c'est-à-dire vous prenez le nom de ces deux personnes-là, de celui qui est au pouvoir en ce moment et de son opposant, et vous comprendrez d'où vient le nom Bicam Comedy Club. C'est-à-dire que je ne veux pas vous en dire plus. Je commente simplement que l'un des opposants camerounais, membre actif de Bicam Comedy Club, est venu se plaindre lui-même avec ses deux pieds devant les caméras. Il se plaint d'un coup d'État électoral. Lui-même, il se plaint. Il dit, Amoto, nous avons un élément très dangereux. Comme dit souvent je ne sais pas comment on appelle cet enfant-là. C'est un producteur de contenu. Il souvent que, hé, merde. C'est un geste qui m'a mis. Il se surprend. Et de certains événements, et ça m'amusait toujours. Et là, bon, j'ai été suivi. Eh, merde. Donc, le monsieur s'y vient parler comme nous qui dénonçons que n'allez pas aux élections. Ces gens-ci sont des bandits. Faites attention. Mombe, mana, menibeke akouraji borba, ce sont des voleurs de voix. N'allez pas les accompagner dans leur imposture. Honoré. Autour, on joue au Sénégal. Alors, j'étais surpris quand on m'a envoyé cette vidéo-là. Et la vidéo était tellement bien faite que j'ai reconnu le logo en haut d'une des célèbres pages, l'un des célèbres médias chez nous, Nadia TV. J'ai compris que c'était du professionnalisme. Parce que le gars-là ne fait pas dans le faux. Il a toujours des éléments de preuve. C'est quand j'ai vu ça que j'ai compris que maintenant, c'était sérieux. Quand on m'a envoyé la vidéo, j'ai cru que bon, parfois on peut prendre mon image, on met une voix et on m'attribue des propos. Mais quand j'ai vu le logo Nadia TV, la télévision de Jean-Bruno Tanguy, j'ai compris que non, ça c'est sérieux. Parce que Jean-Bruno Tanguy, ce n'est pas un enfant parfait. Comme personne ne l'est d'ailleurs. Mais il a une particularité.
il dit des choses avec des éléments de preuve. Donc quand j'ai vu ça, j'ai compris que le message qui venait était un message authentique et certifié. J'ai dit, ok, let me take a look, have a seat. J'ai donc décidé de regarder. J'ai dit, il faut que je regarde ça avec vous ensemble. Écoutez et regardez. Dans sa déclaration de ce vendredi 10 mai 2024 devant la presse, Maurice Kamto alerte sur un coup d'état électoral qui pourrait être en préparation au Cameroun. Le pouvoir s'est lancé dans la réalisation d'un coup d'état électoral préventif. Oui. Le directeur général de Elections Cameroun, Monsieur Eric Essoussé, et les membres du conseil électoral sont en train de perpétrer sous nos yeux et ceux de la communauté internationale un authentique coup d'état électoral. Pour justifier ces accusations, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun présente un certain nombre d'actes qu'il qualifie d'illégaux et en attribue la responsabilité aux dirigeants d'Elections Cameroun, affirmant que leur objectif politique est de fausser les résultats des prochaines élections au profit du RDPC. Privation de plus de la moitié des électeurs camerounais potentiels. Comédien. De l'exercice de leurs droits constitutionnels de citoyens par le gel délibéré du corps électoral autour de 7 millions d'électeurs depuis 10 ans, en dépit de la croissance de la population camerounaise qui est passée d'environ 20 millions d'habitants en 2012, où ELECAM avait annoncé que le corps électoral était déjà à 7 millions 60 000 électeurs inscrits environ, à environ 30 millions d'habitants en 2024, où le même ELECAM annonce à la fin du premier trimestre le chiffre de 7 millions 144 000 électeurs inscrits. Deux, annonce préventive par le directeur général d'ELECAM, M. Essoussé, que l'extraordinaire mobilisation des Camerounais qui s'inscrivent massivement sur les listes électorales au vu de tout le monde pourrait bien s'avérer vain. C'est-à-dire ne pas modifier le corps électoral parce que, dit-il, après toilettage, sur 200 000 nouveaux inscrits, par exemple, il pourrait n'en rester que 50 000. Multiplication par ELECAM de divers obstacles administratifs et logistiques visant à décourager les inscriptions massives des Camerounais sur les listes électorales, telles que l'indisponibilité ou l'insuffisance des kits d'inscription, alors que l'État alloue chaque année un budget conséquent à ELECAM. Et alors même que le directeur général de l'ECAM annonce depuis plusieurs mois que les kits de nouvelle génération ont été importés et attendent sous douane au port. 6. Constat à la fin du mois d'avril 2024 que l'ECAM n'avait toujours pas ouvert les inscriptions sur les listes électorales dans la diaspora, c'est-à-dire 4 mois après le délai légal qui fixe le démarrage des inscriptions le 1er janvier de chaque année, le directeur général et le président du conseil électoral ont trahi leur serment. Maurice Kamto ne s'arrête pas là. Il sonne également l'alerte concernant une exhortation à un coup d'état militaire au Cameroun. Par qui et pourquoi Maurice Kamto ne va pas chercher les réponses bien loin? Au cours de l'émission « Droit de réponse », sur la chaîne de télévision Equinox. Exact, Baba. Le dimanche 3 septembre 2023, le représentant du RDPC a lancé, à la surprise des autres panélistes, un appel à la perpétration d'un coup d'état militaire au Cameroun en cas de victoire du candidat du MRC au prochain scrutin présidentiel. C'est vrai ça. Pendant que nous combattons de façon constante ceux qui ourdissent des complots pour faire des coups d'état militaires au Cameroun, d'autres les préparent tranquillement.
Le peuple camerounais doit savoir de quel côté se situe chacun. Je mets solennellement en garde, ceux-là qui, réalisant que la rupture politique avec le peuple camerounais est consommée, seraient en train de fomenter ce coup d'état militaire qu'ils écriraient un très mauvais scénario. Sur la question d'une transition politique au Cameroun, il se positionne contre et rejette le fait, je cite, qu'il ne soit pas d'une bonne voie pour le Cameroun. Le MRC ne se fera pas complice de cette démarche. Donnons la parole au peuple camerounais. Après 43 ans de pouvoir, que les gens aient le courage de faire de leur introspection et de dire... Est-ce que nous avons fait ce que les Camerounais attendaient de nous? Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, à la fin de sa conférence de presse, demande la démission du directeur d'Elections Cameroun et appelle massivement les populations à s'inscrire sur les listes électorales et à aller voter pacifiquement en 2025. Inscrivez-vous. Oh oui, on y... Mais je dis, nous sommes en route. Et je le répète. Inscrivez-vous pour aller aux élections dans la paix. Et si les gens veulent que le pays bascule dans la violence, alors il basculera dans la violence. Oui, oui, papa. Ouh. Ah, non, Nouma, parfois, quand je reste comme ça tous les jours, je me lève le matin, j'ai dit... Après avoir dit merci à Dieu, j'ai dit merci au Père Nouma. J'ai dit merci à tous les parents qui ont un temps, you know, au cours de ma vie, de mes voyages, de mes déplacements au Cameroun comme à l'extérieur, m'ont appris quelque chose. Parce que sans les parents là, je ne serais pas en vie. Et sans le Père Nouma et son épouse, peut-être son épouse m'aurait avorté même. Je ne serai pas là aujourd'hui pour rire avec vous. Parce que quand vous voyez ça... Ouais. Non, 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 non. À un certain moment, bon, c'est aussi vrai que... Vous savez, au Cameroun, on a enlevé la honte à certaines personnes. Et c'est dommage parce que c'est l'une des choses caractéristiques qui nous différencie du chien. La honte. Le chien n'a pas honte. Le chien peut se mettre là, faire ses besoins, faire pipi, faire l'amour. Non, c'est pas son problème. Mais par contre, l'homme, pas ceux qui sont devenus comme des animaux aujourd'hui, doit se cacher. L'homme doit vivre comme le chat. C'est-à-dire que le chat, tu ne sais pas quand est-ce qu'il a, il s'accouple, quand est-ce qu'il fait ses besoins. Il se cache toujours. Il vient s'asseoir avec vous. Il est là. You know? Donc, certaines personnes ont perdu cette caractéristique. You know, avoir honte. Mais en même temps aussi, je comprends. Parce que certains sont obligés de faire ce pourquoi ils sont payés. Yes! Certains sont obligés de faire ce pourquoi ils sont payés. Exactement comme M. Biya. Biya, vous avez dit que je suis le meilleur élève de la France, de Mitterrand. Il est obligé de faire ce que la France lui demandait de faire. Alors quand Biya arrive aussi au Cameroun, il choisit ses opposants. Alors vous êtes payé pour faire le rôle que chacun doit jouer. Voilà quelqu'un qui, l'année dernière, l'année d'avant, depuis 2018, vous dit ce qu'il dit là. Le monsieur qui parle là, membre actif de BICAM, Comedy Club, et il vous parle comme il parle là. Et il sait que ça va se passer comme ça. Pourquoi il vient faire ce cinéma là? Parce qu'il s'est rendu compte que son jeu est vu. Maintenant, quand il sort là, c'est pour venir vous faire comprendre que non, je vous avais dit non. Mais je vous avais dit qu'il devait avoir coup d'état électoral. Mais je vous disais de partir, mais je savais, je vous avais dit, j'ai dénoncé. Hein? Il va avoir un coup d'état militaire, il va avoir ceci. Je vous avais dit ça. Pour se déloigner dans les deux sens, de là où il est instruit à faire ce one man show que vous voyez là, et de l'autre côté de ces militants qu'il fait marcher comme des petits toutous. Voilà. Je vous ai dit ça ici. Que ces gens que vous voyez là sont des gens qui travaillent pour Biya.
Je ne tire pas loin de celui-même qui parle. Je ne vais pas chercher loin, comme disait la journaliste, que Kamto ne va pas aller chercher loin. Il prend les références d'une émission qui s'est passée à la télévision pour justifier une tentative de coup d'État ou bien un coup d'État en cours. Lui, il a le droit de dire ça. Il s'est référé à quoi? Il dit un membre du RDPC. Les autres étaient même surpris. Ils disent, hop, un coup d'État, si l'opposition gagne, donc... Et il a donc pris ça comme référence. Il a pris ça comme référence, comme nous prenons aussi ses propos comme référence. Voici ce que M. Kamto a dit. Voilà ce qu'il va dire. Je vous avais dit ça ici. C'est longtemps. Que le monsieur que vous voyez là, il est en mission pour distraire. Il n'y a pas d'opposant au Cameroun. Il y a des gens qui jouent le rôle d'opposant, qui ont été choisis par M. Biya pour faire ce que ce monsieur fait là. Oui. Mais, il vous parle de coup d'État. Il n'est pas pour le coup d'État. C'est vrai, le coup d'État n'est pas bien. Mais Paul Biya, celui pour qui il travaille, son patron, a reçu le responsable du coup d'État au Gabon, en grande pompe. Yes, sir. Paul Biya l'a reçu. Kounia, il l'a reçu là-bas. Si le coup d'État doit se faire au Cameroun, il se fera. On n'a pas besoin de l'autorisation de Kamto pour faire un coup d'État. Le coup d'État se fait dans les vies des Camerounaises et des Camerounais tous les jours. Biboum Nessa qui est en prison en ce moment, il est en prison victime d'un coup d'État. On a détruit sa famille. Biboum Nessa est un président d'une famille. Il peut être président du Cameroun. Et les autres qui sont là-bas. Les coups d'État sont perpétués au Cameroun chaque jour, chaque seconde. Ce qu'on a tué dans le Nozo, encore hier, c'est des coups d'État qui se font. Et je reconnais que quelquefois, le comédien en chef de l'association BICAM de Paul Biya reconnaît ça, que ce qui se passe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a refusé d'aller aux législatives, aux municipales, il y a de cela quelques années. Prenant pour raison, la déstabilisation du Nosso. Ce sont des coups d'État. Répétés, on détruit les familles, on tue les reines camerounaises, on tue les princesses camerounaises et les rois tous les jours là-bas. Mais cela n'empêche pas que ce monsieur que vous avez écouté là vous dise que il n'est ni pour un coup d'État, je le comprends, ce n'est pas son volet, le coup d'État. Pour un civil étant au Cameroun, on va dire, il appelle les gens à un coup d'État, il faut se protéger. Et vous dites que non, lui ne veut pas pour la, il n'est pas pour la transition. Non. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, il n'aura pas le travail. On parlait de transition, qui va le payer pour une transition? On parlait de coup d'État, qui aura besoin de lui pour un coup d'État? Mais quand c'est dans l'inertie, le one man show comme il fait là, il vient faire semblant, si vous faites ceci, voilà ce qui va arriver. On l'a produit, Quand il a fini, ça, il va s'asseoir. Regarde-moi le bout là. Il boit, il mange, il rôde, il dort, il attend la deuxième mission. Parce que dans les deux cas, il n'aura pas de mission. C'est Biya qui donne le travail à tout ce monde-là. Et il donne la mission de chacun. Après Biya, celui-ci ne peut pas avoir le travail. En politique, je dis. En politique, sans Biya, Kamto n'a pas le travail. Voilà, le voilà qui vient vous parler. Ce que nous vous disons ici tous les jours, et les babettes qui sont dans leur, les membres, les applaudimètres du BICAM, viennent nous raconter leur vie. Vous avez écouté le patron, l'un des acteurs du club des comédies club BICAM. Comédie club de Kamto, de Biya et Kamto. BICAM, comédie club. Vous avez écouté comment il parle. L'élection, c'est en 2025. Dans sa région à l'ouest, je vous ai montré la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, regardez. Donc, ce qu'il vient de dire là, ce n'est pas nouveau. Il veut se rattraper pour essayer un peu de vous dire, je vous avais dit. Donc, ce qu'il vient vous raconter là, c'est de, les Américains appellent ça, bullshit. Excusez-moi l'expression, c'est du n'importe quoi, whatever. Écoutez encore, écoutez.
Sur cette route qui relie les arrondissements de Fumbo, Massangam et Malantouane, des barricades sont posées depuis 2 jours par des populations en colère à la suite d'une curieuse découverte faite au domicile d'un homme présenté comme cadre du parti au pouvoir dans l'arrondissement de Massangam. Hier matin, je suis entré dans la concession de M. Kosovo. Mais lorsque j'entre derrière une maison qui est située derrière la maison de son papa, j'ai trouvé un kit avec les policiers venus de la région de l'Ouest en train d'établir les cartes nationales d'identité. Ces suspicions seront renforcées, dit-il, par le refus d'établir la carte nationale d'identité d'un jeune qui l'a envoyé à dessein. J'ai envoyé un enfant pour établir la carte, il a été chassé. Et c'est pour ça qu'il nous a inquiétés et on a barré la route. En plus du poste d'identification suspect, il y avait des agents de l'échange Cameroun pour enrôler les personnes ayant nouvellement obtenu leur carte nationale d'identité. Mais ce qui courrouce ces populations, c'est que ces personnes n'étaient pas connues au sein de leur communauté. Nous avions saisi les cas des gens qui ne sont même pas de l'arrondissement de Massangam. Le maire de Massangam soupçonne des manœuvres préparatoires à la fraude électorale lors des scrutins qui pointent à l'horizon. Chemin faisant, on s'en rend compte qu'on était en train de préparer les châtaignes. Parce que moi-même dans mon téléphone, j'ai filmé les cartes des châtaignes. Il faut que ceux-là, ceux qui pensent dans leur tête qu'ils peuvent truquer les élections à Massangam, c'est des trompes. Cet agent de l'échange Cameroun nie les accusations, faisant état de ce qu'ils enrôlaient dans un domicile privé. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues constater. Je n'étais pas dans un domicile, j'étais en face. Face à la colère des populations, le sous-préfet de Massangam a décampé, abandonnant son véhicule. Malgré la sortie du chef traditionnel de la localité, les mécontents sont restés fermes. La population a une condition, qui est une condition souveraine. La population est en train de dire que les matériaux de l'État qui se retrouvent dans un domicile privé doivent être récupérés pour que la voie publique soit libérée. Nous ne sommes pas mieux placés pour aller à l'encontre du peuple. Cette manifestation est le présage d'un processus électoral tendu dans une circonscription où l'UDC et le RDPC sont des partis leaders. Bien, là, il vous parle de ce que le patron de l'ECAM a dit et de ce qu'il a fait. Il ne vous parle pas de ce qui se passe dans sa propre région que vous venez d'écouter là. Yes, ça s'est passé hier dans sa région. Il vous parle de pour vous embrouiller. Oui, monsieur. Est-ce que ça a commencé aujourd'hui? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le monsieur qui vous parle là, son conseiller number one, membre actif, capitaine de bord de la fraude, vous avez raconté ça. Est-ce que j'étais avec lui? C'est mon père, c'est mon grand frère, c'est un compatriote. Il est venu vous dire ce que le membre actif du BICAM est en train de raconter là. Albert Zonga, peut-être vous avez oublié, moi j'archive tout. Comme d'ailleurs mon grand frère, membre du BICAM, Kamto, a dit là. Lui-même il archive. Puisque si vous parlez de ça, de qu'il y a un coup d'état qui se prépare, il a suivi ça sur un plateau télé. Il a suivi sur un plateau télé. Il a suivi quelqu'un d'autre dire. Il n'a pas vérifié. Il n'a pas investigué. Là, ce n'est plus comme l'année, il y a de cela 5 ou 6 ans. On était venu le voir pour demander qu'il aille faire un coup d'état. Non, ce n'est plus dans ce sens-là. Il a plutôt écouté quelqu'un d'autre dire qu'il y aura un coup d'état. Bon, lui vient donc dénoncer que s'il y a coup d'état, vraiment ça ne passera pas. Bon, très bien. On lui concède ça, ce n'est pas son domaine, il n'est pas militaire. Moi, je veux parler de coup d'état ici. Le coup d'état peut être un coup passant par une révolution populaire. Bien légal. Le peuple est fâché, n'est pas content. On a vu ça partout. En France, il y a eu coup d'état. Passant à l'ordre, l'appel de l'ordre de De Gaulle. Il y a eu coup. Il a pris le pouvoir. Le peuple s'est levé aussi en France. Ils ont les têtes des rois. Ça s'est passé là-bas. À côté de nous, au Gabon, c'est un coup d'état qui a été bien salué par le patron de Monsieur Kamto. Donc, avant même de continuer sur cette longue liste-là, je vous invite à écouter le conseiller numéro 1 de monsieur que vous venez d'écouter là. Le membre actif du BICAM. Écoutez et regardez. Non, écoutez bien. Vraiment, parlons sérieux. Revenons en 92, comme vous dites. Vous étiez au parti au pouvoir. J'étais au parti au pouvoir et j'ai été acteur. J'étais chargé de la communication pendant la campagne de 92. J'étais responsable de la communication. Et Charles Ndongo, qui est là aujourd'hui directeur général, sait comment on a envoyé l'hélicoptère me chercher pour venir répondre à Frundi, Damjoya et Kimbi. Il sait. Une question. Il sait que j'étais un condo. Attends, ne me coupe pas. Parce que quand vous faites ça, je ne dis. Bon, en 92, les partis politiques se sont réunis. Pendant ce temps, Frundi faisait son comité avec ses gens. Ils ont été surpris que les gens entrent pour leur dire « Nous venons de nous réunir
Et on pense que celui qui va conduire pour qu'on essaie de battre bien, c'est vous. Donc, Frundi n'est jamais allé chercher les gens. Je crois que tout se bâtit autour d'un support. Hein? Tout bâtiment, pour construire, il faut déjà que tu achètes le terrain, que tu fasses une fondation. Mais vous ne pouvez pas rester. On ne vous voit pas. Vous dites que je suis là, venez autour de moi. Non, ce n'est pas possible. Et même quelqu'un, vous t'avez dit, toi tu viens de dire que le taxi ne rentre pas dans l'avion. Que l'avion ne rentre pas dans le taxi. Bon, je crois qu'entre-temps, l'avion est devenu moto, mais il faut qu'il accepte de rentrer dans le camion. Alors, vous étiez en 92, avant la pub, hein, ça coule sur la question. En 92, vous êtes au RDPC. Oui. Dites-nous la vérité aujourd'hui. Qui avait gagné l'élection de 92? Frundi. Et qui a triché, nous? Parmi lesquels, vous? Oui. Vous-même? Moi, je crois que j'étais même l'instigateur. Vous savez la question qui s'est posée? Laquelle? On a constaté que Biya avait perdu. Et il s'est posé un véritable dilemme. Nous étions... Je peux citer les morts, mais j'ai peur que les vivants craignent. Nous étions au centre, Fauchivet, à Kamfou, à Madouali, Zemeka, Papa Achou, Achidi Achou. Et j'avais dans mon équipe Zéro Mort et Henri Bandelot pour la communication. On a constaté... que Biya avait perdu. Et je vous assure... Dans tout le Cameroun ou seulement dans, à l'ouest ou ailleurs? Il avait, non, au nord-ouest. Il avait perdu partout. Il avait perdu partout. Sur le plan général? Sur le plan général. Dans tout cas, Frundi avait gagné. Alors, il s'est posé un véritable problème. Et c'était là où la conscience de chacun était appelée. Est-ce qu'on va laisser Frundi gouverner ce pays? Première question... à tout le monde. Non. On ne peut pas laisser Frundi. Qu'est-ce qu'on fait? On change au profit de Bouba Bello, d'Adamou Damjoya ou de Kindi. Parce que les quatre, les trois sont potables. On accepte. Mais lui, non. Moi, en tant que fils du péciste, j'étais le numéro un, non. Pourquoi? J'ai vécu dans ma tendre enfance comment on a massacré les jeunes soldats dans l'UPC. Les chefs avaient des astuces. Ils prenaient les cartouches de chevrotine. Ils ouvraient et ils enlevaient les plombs. Il ne restait dedans que la poudre. Et il chargeait dans le fusil. Et il faisait des simagrées et il disait à Ogar, tirez sur moi. Et on tirait, boum. Il dit, vous voyez, rien ne se passe. Et il donnait ce truc aux gens que fumez. Dès que vous voyez les militaires, n'ayez pas peur. Le gars allait et on le faisait tomber comme des mouches. Quand quelqu'un arrive, dans un pays en détresse et vous dit, comme seul programme qu'il est magicien, Dem Shoutam Akasham, il dit que il est invulnérable. Et sa popularité a commencé à l'ouest parce que l'ouest a dit Biala est tellement fort qu'il n'y a qu'un sorcier pour le renverser. Voilà, tout le monde dit le sorcier c'est Frundi. Or, j'avais déjà dans mon intervention pour les décrire, dire que le Cameroun n'est pas un laboratoire où chaque apprenti sorcier va venir tenter ses expériences. Donc, il était question de faire que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne. Mais on a expérimenté quelque chose. On est allé voir les trois que je viens de citer. Et on a dit à chacun que Frundi vient de gagner. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit non. On ne peut pas jeter le pays dans l'eau. Ça serait grave. Et je vous dirais que
ce que vous avez découvert au soir de sa vie a commencé dès ce moment-là. La charte de conscience. Dont les autres, tous, ils sont vivants. Non, il y a Adamou qui est mort. On dit que non. Vraiment, donnez à Bia. Donc, si ce soir-là... Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas peur de faire des révélations comme celle-là? Non, j'ai pas peur parce que ça veut dire que... Parce que là, vous avez trahi en 92. Non, je ne trahis pas. L'histoire s'écrit. Il faudra un jour qu'on écrive. Parce que les gars racontent des histoires. On n'a jamais... c'était même un secret de Polichinelle. Tout le monde sait qu'on avait perdu. Tout le monde sait également que l'opposition a gagné les législatives dans la même année 92 et qu'ils ont vendu. Donc ce n'est pas tout ça là. Il faut comprendre quand vous parliez de l'opposition. Quand un enfant attrape une panthère, il croit que c'est un chat, il peut le laisser partir. Moi j'étais au RDPC quand l'opposition a gagné l'Assemblée nationale. Mais à notre grande surprise, chacun d'eux venait la nuit pour négocier avec nous. Donc on s'est aperçu que ils ne sont même pas conscients qu'ils ont pris le pays. On a négocié. Ah, d'accord. Albert Zonga, ce matin, c'est vraiment chaud, Marie-Florence. Très chaud, avec des déclarations également. Même si moi, j'aurais souhaité lui poser la question, il avait déjà commencé à le dire, parlant des élections de 92. À quel moment est-ce que ça a basculé? À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, notamment. Ça bascule à l'Assemblée nationale pendant que nous étions en train de voir comment faire. Est-ce qu'on fait le coup d'État? Est-ce qu'on dissout l'Assemblée tout de suite? Comment on va faire? Parce que si ces gars se réunissent, ils votent leur président de l'Assemblée, ils votent des lois, ils vont nous renverser. Qui tient l'Assemblée? Tient l'État. Le pouvoir, oui. Tient le pouvoir l'État. Dans un pays démocratique. Oui. Mais on a été surpris de voir que le ténor, chacun venait se battre pour être premier ministre, pour être ceci. Et continuez. Et tout de suite. Oui. Continuez. Honorable. Et je fais signe parce qu'il y a un peu de bruit à côté, qu'on a des travaux. Oui. Et tout de suite, nous on a pensé à deux choses. On a dit qu'il faut débaucher. On a donc envoyé M. Tchouta, qui tenait le port, c'est-à-dire il y avait l'agent du répondant. Le combo. On a dit, va voir les députés de l'Ouest, essaye de les acheter. Il est allé acheter les députés UNDP de Bamboutos, en donnant à chacun ce qu'il aurait pu gagner pendant 5 ans. C'est-à-dire combien? Bon, à l'époque, le député gagnait 500 000. Nous, ce n'était même pas trop riche comme maintenant. Donc, il a donné 25 millions à chacun. Non, 500 000, ça fait quoi? Ça fait 6 millions par an. Ça fait 6 millions par an. 30 millions. Oui, donc, chacun a eu 30 millions. Chacun a eu 30 millions. Ça ne s'arrête pas là. Ils sont venus démissionner. Et c'est là où, quand j'ai rendu hommage au professeur Ona Joseph, oui, j'ai relevé ce qui s'est passé. Mais le RDPC était tellement idiote qu'il ne s'était pas aperçu que dans la loi, dans l'ancienne loi, on disait que si tu démissionnes, ton suppléant prend ta place. Oui. Donc on avait donné 30 millions à chacun et peut-être 5 millions au suppléant. Bouba Bello a convoqué tous les suppléants pour dire, mais vous faites quoi là? Vous avez de l'argent que vous avez gagné. Ils sont tous venus siéger à l'Assemblée. Donc on a fait un coup d'épée dans l'eau. Donc... On a perdu l'argent et tout. Ah donc ça vous arrive aussi. Bon, on se retrouve au point de départ. Bien, vous avez donc écouté le monsieur qui parle là. Son nom, c'est Albert Zonga. La particularité de ce type qui vient de parler, c'est que il parle un français simple, très comique, moqueur, véridique. Même quand la journaliste lui dit que mais vous ne trahissez pas un secret, il dit mais non, trahir quoi? Ce n'est pas un secret, tout le monde connaît. Mais est-ce normal? Non. Donc, les dénonciations qu'ils font là, ils font chacun pour justifier que voilà, bon, j'ai pris pour faire mon travail, mais bon, j'ai quand même dénoncé. Non. Demain, ne dites pas que vous ne connaissiez pas. En 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun récemment déclaré non grata dans les régions de l'extrême nord et du sud, pour motif de risque d'affrontement. Un risque d'affrontement. Mais d'affrontement de qui et avec qui? Nous ne demandons rien. Nous ne demandons aucune faveur.
nous demandons le respect et l'application stricte des lois de la République. Face à ce refus des autorités de voir le MRC organiser un meeting à Ebolova ou à Maroua, le président national de ce parti s'interroge. Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait, que le sud leur appartenait? Ce sont des parties de notre nation et nous y exercerons nos droits. Qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas, ils ne perdent rien pour attendre, car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce que s'ils veulent justement qu'on passe par des cases que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors croyez-moi, on ira. L'homme politique va plus loin en signalant qu'après un long temps de patience, la réaction de son parti face à de telles interdictions sera désormais prompte. Alors ça suffit. Je vous le dis avec le plus grand calme. En 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Pendant près de 2 heures de discours en français et en anglais ici au siège du parti à Oudia, Maurice Kamto évoque en 10 points, chiffres à l'appui, les manquements observés par Elections Cameroun dans le processus d'inscription sur les listes électorales en cours au Cameroun. En dépit de la croissance de la population camerounaise qui est passée d'environ 20 millions d'habitants en 2012, où Elecam avait annoncé que le corps électoral était déjà à 7 millions 60 000 électeurs inscrits environ, à environ 30 millions d'habitants en 2024, où le même Elecam annonce à la fin du premier trimestre le chiffre de 7 144 000 électeurs inscrits. L'homme de droite termine son propos en invitant à une plus grande inscription sur les listes électorales. Et je le répète, inscrivez-vous pour aller aux élections dans la paix. Alors si le sacrifice ultime devait être le couronnement de cette lutte, en ce qui me concerne, je suis prêt. Voilà, il faut que ça... C'était là quelques attitudes, une attitude de Maurice Kamto hier. Oui, donc ce n'est pas nouveau ce que Kamto dit, ce n'est pas nouveau ce que Albert Zogang dit, c'est comme ça. Mais ils savent ça tous. Mais ils viennent vous faire comprendre, allons encore aider ces gens-là à justifier leur fraude électorale. Et ils viennent vous prendre. Entre-temps, les enfants de ces gens-là, de certains d'entre eux, sont en Europe. Hein? Mais vos parents à vous, les petits présidents, les petits rois, les princes et les princesses sont en prison. Et ils sont dehors, ils sont en train de vous faire comprendre que non, il y aura vol de délégation, hein. Vraiment, il y aura fraude. Ils ont commencé. Voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qu'ils ont fait. Mais allons quand même. Donc, frère, vous savez, aucun parent n'accouche son enfant pour qu'il soit bête. Aucun parent n'accouche son enfant pour qu'il soit inscrit volontairement ou involontairement à l'université des babettes, des bamilikés et les bêtis extrêmement bêtes du système. Les babettes. Donc vous avez le choix de suivre ce que vous avez entendu ce monsieur dire là, de suivre Biya et de suivre votre propre intuition, votre capacité à penser le pour et le contre. Ce n'est pas Numa qui vous dira ce que vous devez faire. Non, ne m'écoutez pas. Moi, je fais ce que je veux. N'écoutez pas Biya. Il fait ce qu'il veut. N'écoutez pas Kamto, n'écoutez pas Zongang. Ils font ce qu'ils veulent. Je ne peux pas reprocher à ces deux personnes-là de faire leur business. Kamto est dans son business. Si Kamto ne fait pas ce qu'il fait là, je ne sais pas ce qu'il va faire en politique. En autre chose, c'est un avocat, il peut gagner des marchés, il peut avoir des clients, aller défendre. Mais en politique, il ne peut pas faire mieux que ce qu'il fait là, dans le régime de Paul Biya. Jamais. Ils n'ont plus... La limite, c'est ça. Aller voter, discourir, se plaindre, se lamenter, dénoncer. Pour certains d'entre eux, je ne sais pas qui prend quoi, mais pour certains d'entre eux, sont payés pour faire des comportements comme ça. Donc, après avoir écouté ça, après avoir observé ce que j'appelle l'apprentissage par observation, tu prends ta décision tout seul. C'est ce que je vous dis ici depuis. Ce n'est pas nouveau, ça ne va pas être nouveau.
Ce n'est pas parce que les bêtis vont s'asseoir d'un côté. Vous dites non, Paul Biyan, machin, truc et tout ça. Non, allons, Faux! Paul Biya ne répond plus. Le président Paul Biya, là où il est là, il est atteint de maladies que tous les vieux sont atteints. Et voire même certains qui sont même plus vieux que lui, non, même pas. Paul Biya, tous ces mots-là en lui. Donc, le président Biya, vous ne répond plus de rien. Yes, sir. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est du cinéma. Je ne peux suivre aucun bêtis passant par la proximité sociologique, pour ne pas dire du tribalisme. Je ne peux pas. Je veux suivre le président Paul Biya suivant son programme politique. Et son programme politique a été nul jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu seul sait que s'il y avait quelqu'un qui pouvait suivre Paul Biya aveuglement, c'est moi. C'est mon chef. Chef suprême des forces armées. C'est mon père, venant de la même région. Si je résous ma vie à ça, je ne parlerai pas ici. Donc, Paul Biya, je dis que non, papa, il a tué personne. Je fais comme un compte communiste, je dis au remords. Et si toi, tu te résous parce que tu veux suivre des personnes comme ceux qui viennent de parler là, parce qu'ils sont de ton village, ben, ça, c'est ton problème. Et ils font leur mission, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas le même problème que toi. D'eau, d'électricité, non. Des terres spoliées, non. D'enfants qui iront à l'école et de quoi manger, ils n'ont pas ce problème. Quand il a fini de faire son one-man show, là, il rentre à la maison chez lui, il dort, sa femme ne peut pas, il mange bien, il rôde. Quand ça ne va pas, il voyage, il va faire son tour. Et vous allez toujours suivre. Vous allez l'accueillir à l'aéroport. Vous faites ses courses. C'est l'une des personnes sécurisées et protégées. Pour vous discrets. Comme Paul Biya est l'une des personnes protégées et accompagnées par nous, par vous, pour nous discrets. Alors chacun doit prendre sa responsabilité. Moi j'encourage Kamto. Je l'applaudis. Je dis bravo papa. Bravo. Tu n'es pas différent de Biya parce qu'il a compris que les Camerounais sont des cancres. Yes sir. Donc quand tu peux comprendre que les Camerounais sont des totos qui peuvent suivre n'importe comment, non, tu entraînes avec toi. Tu fais ce que tu as fait avec eux, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la faute de Kamto, membre actif du BICAM, Comedy Club. Ce n'est pas la faute de Albert Zongan. Ils sont dans leur rôle. Je vous le dis toujours sur ma page Facebook, un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Ils sont dans leur domaine. Mais c'est toi qui es réfléchi. Tu as compris ça. Tu choisis ta route. C'est toi qui es réfléchi. Tu as compris que Paul Biya est un délinquant politique. Tu choisis ta route. Qu'est-ce que Paul Biya t'a apporté? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il t'apportera demain? Rien du tout. Tu n'as rien fait en 42 ans. Ce n'est pas. L'autre a même précisé que ça fait 43 ans. Vous avez écouté le membre du BICAM. Vous faites comprendre que ça fait 43 ans que Biya est là. Donc, s'il n'a rien fait en 43 ans, c'est avec le prochain mandat qu'il fera quelque chose. Vous ne voyez pas Biya avec les yeux. Vous entendez les hautes instructions et le désordre que ça produit dans notre pays, le Cameroun. Les hautes instructions à la FECAFOOT, les hautes instructions à l'enseignement, les hautes instructions à la CAN, les hautes instructions au Covid, les hautes instructions dans tout. Hautes instructions. Et ça donne le boxon que vous voyez là aujourd'hui. Et c'est les hautes instructions là aujourd'hui qui continuent, même avec les gens de l'opposition. Parce que Biya ne vous a pas dit qu'il sera candidat. Même celui qui vous parlait tout à l'heure là ne connaît pas ce qui arrivera demain. Mais il commence déjà à se préparer. Il vous dit vraiment, faites attention, si vous apprenez que ces gens-là ont pris l'élection, ça c'est le coup d'état électoral qui se prépare. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris ce que je dis ici, n'allez pas me suivre. Allez suivre le membre du BICAM, Kamto, dans son discours au Conseil constitutionnel. Donc, vous le suivez très bien. C'est 28 minutes. Après, vous suivez Albert Zongan. C'est moins de 10 minutes dans sa publication, dans leur page. Après, vous suivez ce qui s'est passé, que je vais publier dans cette vidéo-là, la fraude qui ne se passe pas avec n'importe qui. La fraude électorale se passe avec des hommes en tenue.
comme vous avez entendu, dans un logement privé. Dans un logement privé. Avec les policiers. On fabrique les cartes électorales et les cartes d'identité dans un logement privé. Là, nous sommes là en 2024. Nous ne sommes pas en 2018. Et ce monsieur qui parlait là, parlait déjà ça, de ça depuis, pas aujourd'hui. Quelles sont les mesures qu'ils ont prises? Ils ont quel pouvoir? Kamto a quel pouvoir? En dehors de parler comme il parle là, faisant son théâtre là, c'est son rôle. C'est son rôle. En dehors de faire ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Ils s'amusent dans leur contrat, ils partent d'abord au Niouf. Il est gardé là-bas pour un petit temps. Yes, il n'y a pas de demi-mesure. Pourquoi? Est-ce normal? Non. Il faut pas donc être miron. Ce n'est pas normal. Nous sommes dans un pays, tout le monde est libre. Mais quand tu as décidé de jouer un jeu, tu joues ton jeu, il y a un prix à payer, il y a l'argent, il y a la privation des libertés, ça fait partie du contrat. Personne, mon cher compatriote, ne peut battre M. Biya dans une élection au Cameroun. Parce que M. Biya est un voleur d'élection. Ce Biya, comme vous avez vu dans la région de Kamto, dans l'Ouest, qui nomme tous ceux qui sont là-bas, y compris les chefs traditionnels. C'est Biya qui décide, son régime qui décide, des chefs traditionnels à l'Ouest, des gouverneurs à l'Ouest, préfets sous-préfets à l'Ouest, des maires à l'Ouest, des gendarmes à l'Ouest, commandants de brigades de colonels à l'Ouest, c'est Biya. C'est Paul Biya. C'est Paul Biya qui décide si Kamto peut marcher en route en liberté. C'est Biya qui décide. Donc le bruit qu'il fait là pour le moment, c'est parce que ça fait partie du game. S'il dépasse d'une ligne, Paul Biya le prive de liberté en prison. C'est Paul Biya qui décide dans le sud. Dans partout au Cameroun, c'est le régime de Paul Biya. Donc ce que ces gens-là racontent là, ils sont dans leur rôle. Ils savent que personne ne peut rien faire. Il n'y a que toi, le peuple, qui peut décider de redonner à M. Kamto sa dignité parce qu'il a perdu sa dignité. Kamto a perdu sa dignité. La seule chose qui lui reste, c'est le Kalara qu'il a appris à l'école en tant qu'avocat. Mais sa dignité en tant que quelqu'un, un homme politique, non, il a perdu ça. Je préfère encore Jean Djenga. Omer Badi. Alors, puisque vous dites que les élections sont mal organisées au Cameroun, je suppose que si vous êtes élu au soir du 9 octobre, président de la République du Cameroun, vous aurez certainement apporté des réformes ou bien des solutions pour qu'il y ait un processus électoral plus consensuel et peut-être plus efficace et transparent. Quelles seraient les deux principales améliorations que vous apporterez au processus électoral? Ce que je pourrais d'abord faire, c'est de... Vous savez que dans notre pays, déjà l'élection est tellement mal organisée. Ce qu'on devrait faire, c'est de... On appelle... de faire la commission indépendante, la commission indépendante des élections dans ce pays. Commission électorale indépendante. Indépendante, le vrai. Oui. Je dis le vrai. Oui. Parce que maintenant, on n'a pas le... Vous n'avez pas confiance à l'ECAM. L'ECAM, c'est le DPC, tout le monde le sait. Mais pourtant, vous êtes candidat. Dans une élection qui sera arbitrée par l'ECAM. Mais ça ne fait rien dire. Je suis candidat parce que parce qu'il faut quand même être candidat. Je n'ai pas peut-être le pouvoir de... S'il y avait la possibilité, d'interdire les candidats par organiser cette élection, je l'avais fait. Alors, j'ai dit que je vous ai demandé deux propositions. Oui, monsieur. La première, c'est l'instauration d'une commission électorale indépendante. Oui. Quelle serait la deuxième? La deuxième... proposition pour améliorer le processus électoral. Mais de faire l'élection dans d'autres pays à deux tours. À deux tours. Mmh. L'élection présidentielle aussi, l'élection présidentielle à deux tours, un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Alors, puisque vous avez préconisé aussi de dissoudre, l'une de vos premières mesures, ce sera de dissoudre l'Assemblée nationale. Oui, monsieur. Bon, en ce moment, on sait très bien que l'élection est un scrutin de s'agissant des législatives au Cameroun. Mmh. Vous êtes favorable à cette façon de procéder? C'est-à-dire un scrutin de liste s'agissant des législatives au Cameroun? Scrutin de liste. Scrutin de liste. Les élections législatives. C'est-à-dire, vous avez une liste. Avec une tête de liste pour aller prendre le siège de député. Tête de liste, ça veut dire
Je comprends pas. Posez bien la question, je comprends. Alors, liste, non, peut-être Omer. Oui, Omer, poser la question. Alors, prenons une circonscription particulière, comme par exemple le Voury, le Voury-Centre. Je crois que généralement, il y a trois plutôt. Il y a trois députés qui sont élus au Voury Centre. On sait très bien que chaque parti constitue une liste de trois personnes. Donc, il y a une tête de liste et deux autres personnes. C'est ça qu'on appelle un scrutin de liste. Est-ce que vous êtes favorable à ce type de scrutin s'agissant des législatives au Cameroun, ou alors vous proposez une autre formule? Ah, question de la liste. Sans intérêt. Vous ne voyez pas l'intérêt. Alors, je peux sur le plan maintenant économique, vous avez dans les éléments de votre programme, vous dites l'eau sera gratuite, l'école sera gratuite, la santé sera gratuite, tout sera gratuit. Mais pour que tout soit gratuit, vous allez faire quoi? Comment vous allez financer cette gratuité de l'eau, de l'école, etc.? C'est pas moi qui dois financer, c'est le Camerounais qui doit financer. Vous-même, vous allez financer. C'est-à-dire que. Vous allez instaurer une taxe alors? Je ne vais pas instaurer la taxe. Il y a de l'argent dans ce pays. Oui. Hein? Donc vous savez qu'il y a des Camerounais ici qui ont de l'argent en sus. Cet argent sort tout le pays d'abord riche. Hein? S'il y a la gratuité d'eau, ça ne dérange là personne. Madame. Comment allez-vous faire donc pour aller récupérer cet argent? Vous financez la gratuité. Il faut quand même financer. Déjà, même si je. Si je deviens président de la République, je n'ai même pas. Si ces gens qui ont caché de l'argent à l'étranger, s'ils ne peuvent pas faire venir rentrer cet argent, déjà le pays même est d'abord tellement riche que nous. Si lui-même n'est pas payant, ça ne gênera personne. Vous par exemple, en Europe, monsieur, l'eau n'est pas payante. L'eau, c'est l'eau chaude qui est payée en Europe. Hein? Si l'eau n'est pas payante ici chez nous, ça ne gênera personne du tout. Même s'il y a la gratuité d'école, gratuité, parce que je parle de gratuité d'école, gratuité, spéciale carte d'identité, gratuit. Et je parle aussi de traitement de sida et de tuberculose gratuit. Le titre foncier aussi gratuit. Là, ça n'arrivera rien sur notre budget. Donc, votre politique de justice sociale, c'est faire payer les riches pour que tout le monde puisse bénéficier des services minimums. Parce que vous dites qu'il y a suffisamment d'argent, il y a des gens qui ont de l'argent dans les bacs en Suisse, que le fait que l'école soit gratuite, les traitements et tout ça, ça ne gênerait pas. Maintenant, la ressource, c'est qu'il faut faire payer tout le monde. Non, la question, c'est qui va payer la gratuité? Qui va payer comment? C'est l'État. D'accord. D'accord. Vous estimez cet argent caché en Suisse par les Camerounais à quel montant aujourd'hui? Mais je ne peux pas connaître, monsieur. Je sais qu'il y a de l'argent caché. Si vous savez qu'il y a de l'argent en Suisse, c'est dans l'île de Caïman. Il y a des gens qui ont caché de l'argent. Mais vous avez demandé. Vous avez dit que la priorité, c'est de rapatrier cet argent-là. Mais oui, ben là, j'aurais. À ce moment, je deviendrais le chef de l'État. Là, j'aurais le pouvoir de faire rentrer cet argent. Donc, autrement, pour tous ceux qui sont en prison présentement dans le cadre de l'opération Épervier, vous suggérez qu'on les sorte et qu'ils remboursent l'argent qu'on pense qu'ils ont volé. Oui, par exemple, s'il arrive que le soir de 9 octobre, je deviens président de la République, je pourrais faire sortir ce genre pour négocier avec eux. Négocier comment? Celui qui a volé 1 milliard, hein? Il fait rentrer 1 milliard, lui, il fait rentrer cet argent dans ce pays. Et moi, les 30%, lui laisse avec ça pour travailler avec. Et là, ce monsieur ne pourra plus travailler dans le service public. C'est tout ce que je peux faire. Elle m'entend bien. Oui, je ne sais pas si je peux poser des questions au niveau de la coopération internationale. Posez les questions que vous voulez. Non, toutes les questions. Oui, comment envisagez-vous la coopération entre le Cameroun et ses États voisins et les autres pays du monde? Quel type de coopération sur le plan international envisagez-vous par rapport à ce qui existe déjà? Mais il faut faire la politique de donnant-donnant, monsieur le journaliste. C'est-à-dire? Oui, ça veut dire que il faut négocier. Ici, dans ce pays, il y a certains gens, on ne pourra pas traiter avec des gens qui vont venir ici, nous rafler tout pour partir avec. Chez moi, ce que je dis, gagnant-gagnant, ça veut dire qu'eux, on peut gagner près de nous,
nous pouvons gagner près d'eux. Il faut traiter avec ce genre de région. Quand vous dites un pays qui rafle tout, à quel pays faites-vous allusion? Ah, vous connaissez mieux que moi. Hein? Il y a des exemples, un pays européen, il vient ici pour s'enrichir. Et comment traiterez-vous vos rapports avec ce pays-là? Parce que c'est important pour eux de savoir comment est-ce que vous allez gérer. Ce pays-là, je vais gérer ce pays. Ça, c'est le donnant-donnant. Puisque la personne qui est au pouvoir ici chez nous, les pays africains, les présidents africains, ceux-là sont tellement très mal élus. C'est pour ça qu'ils marchent au rythme de ce pays africain, européen. Si moi, non, je ne suis pas en train de m'amuser. Si les Camerounais me font confiance, je vais travailler à la façon de programme de Front Uni du Cameroun. Alors, quelle sera la place de la femme dans votre administration? Est-ce qu'il y a question de femme? Chez nous, il n'y a pas question de femme. Une femme dans notre programme peut être présidente de la République sans condition. Il n'y a pas question de femme. Il n'y a pas question dans les FIC, il n'y a pas question de femme. Question des hommes. Est-ce que vous allez promouvoir, lorsque vous serez chef d'État, l'accès des femmes à des postes de responsabilité? Oui. Est-ce qu'il y aura la parité dans le gouvernement? Est-ce qu'il y aura un quota de postes réservés aux femmes? Et quel type de poste, par exemple? Non. Pour vous, ce n'est pas question de femmes, c'est question de bien travailler. D'accord, ce n'est pas une question de femmes. Est-ce que vous allez supprimer les mariages forcés, les mutilations génitales? Mais c'est normal, le mariage forcé. Vous allez supprimer cela? Oui. Pardon? Des mariages des jeunes enfants? Oui. Et mariage forcé, en principe, chez nous, l'amour n'est pas forcé, madame. Ben vous allez supprimer ça. Et les rites de veuvage? Oui. Vous allez supprimer la polygamie aussi? Non, c'est pas polygame. Mais on ne peut pas supprimer. Pourquoi vous n'allez pas supprimer? Je ne peux pas supprimer parce que nos ancêtres, ici, là, ils ont commencé à être polygames, je ne peux pas supprimer. Mais pourtant, la polygamie consacre quand même une discrimination, une inégalité entre l'homme et la femme. On a les Africains, hein, on n'a pas les Européens. C'est-à-dire? C'est les Européens chez eux qu'il n'y a pas question de polygamie. Ce n'est pas parce que je ne suis pas polygame que je vais interdire. Oui, mais si vous êtes pour l'égalité. Il y a plus de femmes déjà ici chez nous. Il y a plus de femmes ici chez nous que des hommes. Si vous êtes pour l'égalité entre les hommes et les femmes, vous devriez proposer un système symétrique. Ah, c'est deux choses. Donc, il y a une égalité dans le mariage, mais égalité sur le plan institutionnel. Oui, mais vous me dites que la femme peut être dans mon parti, où je suis. La femme peut être présidente du parti. L'homme peut être, comme chez nous, il n'y a pas question de jeunesse. Alors, à partir de 20 ans, dans mon parti, on est homme. Si le mari est un polygame et que son mari polygame interdit cela, comment vous allez faire? Comment? Supposons que vous vouliez qu'une femme, membre de votre parti, soit, je dirais, responsable, dirigeante de parti, mais elle est dans un mariage polygamique. Comment vous allez faire? Comment vous allez vous en sortir? En sortir, comment c'est ma femme? Elle n'est pas ma femme, madame. Comment je vais m'en sortir, c'est ma femme? Elle n'est pas ma femme. D'accord. Moi, je reviens toujours à l'économie. On sait qu'il y a plus d'un million de Camerounais chômeurs. En 2018, si vous êtes élu, en 2018, vous comptez ramener ce nombre à combien? Ramener quoi? Le chômeur. Dans mon programme politique, il n'y a pas de chômeurs au Cameroun. Comment vous allez faire pour les emplois? Mais vous allez faire comment pour les emplois? Je vais créer des emplois. Comment? Je vais créer des employés en moyenne. Je suis l'homme de terrain. Je suis l'homme qui peut pour les Camerounais. Voilà. Je vais créer. Vous dites comment? Je vais créer. Est-ce que vous allez créer des emplois par décret? Par décret comment? Les emplois ne peuvent pas se créer par décret. Je ne vois pas comment on peut créer des emplois par décret. Donc, là, vous êtes homme d'église? Je suis l'homme d'église. Quelle est la place que vous donnez à l'écuménisme qui existe au Cameroun, aux autres religions? De ça que moi, si demain, la nuit de 9 octobre, je suis élu, je vais d'abord dissoudre tout dans ce pays. Ce qui nous fait peur dans le pays, déjà, hein, il y a trop de certes. Je suis membre d'église, mais d'église évangélique, je suis ancien d'église. Il y a trop de mauvaises choses ici dehors. Au moment de feu, s'il vous plaît. Allez-y. Au moment de feu, tout marchait parce que tout était béni. Il y a trop de mauvaises choses ici dans ce pays. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'il y a trop de certes, madame. Donc, vous savez, bien que moi. Donc, quand vous allez être élu au soir du 9 octobre, vous allez dissoudre toutes les sectes? Mais il faudra qu'on... Oui, normalement.
Mais quand Roman Naïdjo, il n'y avait pas trop de cercle. Je n'ai pas de cercle même dans le... Vous dites bien au soir de votre élection, mais, vous allez discuter. Pas le même jour, mais je dis au soir. Mais, bah, au soir. Je dis pas le même jour, mais on va, je vais la faire. Vous allez le faire. Vous allez réussir. La constitution camerounaise actuelle prévoit la liberté, notamment de religion. Vous prenez le risque d'aller contre la constitution. Monsieur, il y a religion et religion, monsieur. Ici, les frères de l'église, je vous les citer sans avoir peur. Il y a protestants, catholiques, l'église, les musulmans. Là, ça serait là, c'est les vraies églises. Et les bouddhistes. Les bouddhistes sont les églises. Monsieur, vous, fondamentalement, en faisant Paul Biya. Je réponds monsieur Paul Biya parce que j'ai mal. Je réveille mal, que ce rien ne marche. Vous pouvez prendre des exemples précis pour le... Le Cameroun est en arrière. Hein? Le petit pays comme la Guinée là, qui venait ici, peut-être, on était. Les Guinéens venaient ici. On était. Nous étions avant, comme le lago du Kadjistan, comme les Blancs. Maintenant, ce pays se développe mieux que le Cameroun. Nous ne sommes pas gouvernés, les gens meurent parce qu'il y a trop, le pays est très très sale. Rien ne marche, monsieur. Il ne faut pas avoir peur. Vous, les journalistes, vous voyez même, vous nous savez que rien ne marche. Paul Biya a confisqué tout pour lui seul. Les hommes d'affaires sont. Disons qu'eux. Il a confisqué tout ça. Les hommes d'affaires dans ce pays ne sont pas libres. Madame, je ne suis pas de l'RPC, s'il vous plaît. Je suis même je suis un opérateur économique, mais ça fait le tiers même pas. Je suis rien ne marche. Dans ce cas, c'est pour ça que vous avez un projet pour lui. Non, je parle politique parce que les Camerounais m'ont demandé de que je suis un homme courageux. Ils m'ont payé la caution de combattre pour lui. Alors, si normalement les élections, j'avais les mêmes moyens et tout, je suis capable de gagner cette élection puisque c'est des gens. J'ai beaucoup de militants derrière moi. Oui, monsieur Nyonga. Monsieur. Qu'est-ce qui peut amener un électeur à vous voter plutôt que les 22 autres candidats? Qu'est-ce qui fait votre force et votre particularité? Ma force, c'est que je suis même à l'église. Avant d'être l'homme de l'église, je suis un homme très véridique. Je ne sais pas mentir, monsieur. Je suis le candidat de vérité. Mon défaut, c'est la vérité. Les autres candidats sont des menteurs? Ah, ils promettent beaucoup de choses. Le ciel, la terre, on ne voit même pas le résultat. Alors, vous avez sans doute lu ou entendu l'affaire Wikileaks. Wikileaks. Ce qu'on a fait, c'est... Wikileaks. L'affaire Wikileaks, avec les câbles diplomatiques, les propos prêtés à Madou Ali. Oui. Qui dit que les Anglo-Bami et les Métis ne peuvent pas succéder à Biya. Oui. Vous êtes, je suppose, Bamileke. Je suis Bamileke, je suis même Baranti, un noble Baranti. Qu'est-ce que vous répondez à Madou Ali relativement à... Merci, ben, monsieur, à Madou Ali, il a dit ce qu'il a dit, ça lui regarde. Hein. Lui, à Madou Ali, je m'en fous de monsieur Madou Ali. Le résultat, s'il n'y a pas normalement de chez lui, Bamileke, je conseillerais les Bamileke de montrer qu'ils sont Bamileke, de même voter la soirée de 9 octobre que je viens de président de la République. Donc vous conseillez les Bamileke pour être président de la République? Je ne vote pas que les Bamileke. Le monsieur a dit que les Bamileke, si la République a dit que les Bamileke ne peuvent pas être président. Okay. Je suis candidat, je suis Bamileke. Et on va si je suis bien élu, comment? Est-ce qu'on doit vous voter parce que vous êtes Bamileke? Non, on ne peut pas voter. Pourquoi? Est-ce qu'on doit voter parce que vous êtes Bamileke? Non, je ne peux pas dire. Non. Il a dit ceci que parce que si c'est vrai. Il a dit que s'il a dit que le Bamileke ne peut pas être président, je suis Bamileke. Hein? Je peux être président si le Bamileke me vote, ou bien tous les Camerounais me votent, je peux être président. Je suis d'abord un homme neutre. Je ne distingue pas des gens. Pour moi, nous, dans l'église, un Camerounais, c'est un Camerounais. Chez nous, dans le FPC, même un tout pourri, même un nordiste, même un bassin peut être président. Ils sont Camerounais, hein? Même les anglophones. Et que pensez-vous du tribalisme? Ah, tribalisme, ça dépend des gens qui veulent être tribal. Moi, je ne suis pas tribal, moi. Vous? Tous mes amis, c'est vrai. Je ne suis pas tribal. Donc vous avez, je travaille avec toutes les races. Donc vous aurez une politique d'unité nationale? C'est normal. Comment ça va s'exprimer? Comment ça va s'exprimer comment? Ça, c'est... Chez moi, je voulais dire que dans notre parti, on a tous les éléments. Hein? Je ne suis pas peut-être un projet, je ne suis pas le président peut-être des Bangantiers, c'est le président de tous les Camerounais, de tous les 300 ennemis. Alors, pour être président de la République du Cameroun, est-ce que vous connaissez, vous pouvez dire comme ça, la superficie du Cameroun? Pardon? Vous ne connaissez pas vous-même, c'est élémentaire.
Pardon? C'est élémentaire. Oui, mais vous répondez. Je connais. Donne-nous donc la superficie du Cameroun. Je ne suis pas venu pour donner la superficie du Cameroun. Non, mais juste pour. C'est un pays que vous avez gouverné. Non, je ne suis pas venu pour ça, monsieur. Vous avez venu pas à l'école. C'est la question que vous devez poser la question aux enfants de l'école primaire. Donc, quelle question on devrait vous poser sur la surface du Cameroun, quand même? Je la connais, c'est élémentaire, mais là, je peux aller. Non, parce qu'il y a une conséquence à mais ça. Mais si je ne connais pas, c'est un problème. Tout le monde connaît. D'accord. Supposons que vous vouliez faire des infrastructures routières. Moi, je la connais, madame, je ne peux pas aller. Non, 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 je ne suis pas sur ça, mais si vous devez faire ça, comment vous allez faire? C'est la question élémentaire. C'est une question élémentaire. Oui. Et notre devise, par exemple, est-ce que vous pensez qu'on doit la maintenir en état ou bien vous voulez changer quelque chose dans notre devise? Je veux la changer. Quelle est-elle? Qu'est-ce qui vous gêne dans cette devise-là? La devise, je la ramène à unité, progrès, égalité. Unité, progrès, égalité. Ouais. Donc, vous êtes contre l'actuelle devise? Paix, travail, patrie. Paix, travail, patrie. Bah, puisque paix, travail, patrie, ça ne marche pas, il faut changer. Et donc, cette devise que vous nous déclamez, là, c'est la devise du FUC? Mais c'est normal. Unité, progrès, égalité. Alors, j'ai quand même remarqué une chose, que vous avez dit que vous signerez le pacte pour le développement rural de Bernard Diongaël-Dune. Je n'ai jamais dit ça, monsieur, je n'ai jamais signé. Il m'a consulté, mais je ne l'ai pas signé. Et je n'aime pas le mot. Que vous, je vous en prie. Oh, d'accord. Vous avez dit que vous signerez après l'élection. D'après lui. Mais je ne vous ai pas parlé de ça. C'est lui qui vous a parlé. Non, j'ai consulté. Je vous l'avais consulté. Vous ne m'avez pas consulté. J'ai recueilli quelques informations. Mais de lui, pas de moi. De lui. Donc ça qu'est-ce qui vous empêche donc de signer? Ah, je n'aime pas déjà le mot pacte. Ça m'intéresse pas le mot. Vous n'aimez pas être lié. Non, oui, pacte. Le seul mot-là ne me plaît pas. Le nom pacte. Non, mais quelle serait donc votre politique agricole? S'il lui disait au moins. Signer convention ou quelque chose comme ça, il va signer peut-être. Mais les pactes, monsieur, ça peut. Ça vous enferme là. Oui, là je peux pas. Vous êtes si change la dénomination, vous signez. Ah, peut-être. Bon, mais quelle. La dénomination ne m'intéresse pas déjà. Quelle serait votre politique agricole, puisqu'on sait que l'agriculture, c'est quand même la mamelle du Cameroun. Oui, mais l'agriculture au Cameroun, normalement, je donnerais les engrais déjà aux planteurs gratuitement et mettre des voitures. Le président Biya vient de le faire. Comment il a fait quand 2 milliards l'an dernier. Peut-être, c'est pour ça que nous sommes invités ici. Hein? Nous donnons notre programme. Et bien, il se met à tricher. Vous savez que lui, il a l'accès de tout. Il y a des moments ici que vous, les journalistes, vous dites que les partis politiques n'ont pas de programme. Vous ne savez pas que pour créer un parti, si vous n'avez pas de programme politique, on ne peut pas légaliser votre parti. Tout le monde a un programme. Moi, je parle pour tous les. Supposant. Donc, alors, votre programme non, sur le plan agricole. Non, je vous ai dit que l'engrais est gratuit. Mais aussi. Oh, j'ai laissé moi parler. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur Dionga. Oui. Nous mettrons aussi les bus pour transporter des planteurs de leurs champs à leur domicile. Il y a déjà ça. S'il n'y a pas de route. S'il n'y a pas de route, moi, on va faire grogner toute la route. Même pour ceux qui ont des champs juste à l'arrière de leur maison. C'est vous qui ne voyez pas. Peut-être vous parlez avec la peur de Cameroun, alors le diamant, le pétrole, un peu de tout. Il y a de l'argent dans ce pays. Je suis mis dans l'erreur en France, là, qui vient piger chez nous de l'argent. C'est 650 000 francs CFA. Qu'est-ce que l'agriculture vient faire dans l'or, le diamant et autres? Qu'est-ce que l'agriculture vient faire là-dedans? Mais je vous dis que le pays est riche. Parce que je vous dis, je fais comment? Pour avoir peut-être le moyen pour ça. C'est pour vous dire que le pays est très riche. Monsieur John Djunga, est-ce que je peux vous poser une question? Oui, ne vous offusquez pas. Ça ne me gêne pas. D'accord. Quand vous postulez à l'élection présidentielle, oui. Est-ce que c'est vraiment sincère? C'est pas sincère, c'est pour moi. Non, je vous pose une question. Non, c'est sincère, madame. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous motive? Je vous ai dit que les Camerounais souffraient beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis ma candidature. C'est pour les enlever dans la misère. Les Camerounais souffrent. Et vous êtes là, vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas libre. Vous êtes sûr de ça, monsieur? Je suis sûr de ça. Est-ce que vous pensez qu'avec votre discours, on peut penser que vous pouvez... Les gens qui me connaissent, vous ne connaissez pas bien. Les gens qui me connaissent que je parle un bon langage. Je n'ai peur de personne, j'ai peur de tout le monde. Donc vous pensez que là, vous avez des arguments... Vous encadrez combien de personnes dans votre famille? Mais beaucoup, je suis un chef de famille. Je suis déjà un chef de famille. Vous nous laissez beaucoup de personnes. Pardon? Vous nous laissez, donc vous voulez changer la vie des Camerounais? Les Camerounais, vous faites souvent des sondages. Même quand, avant, je voyageais beaucoup. Les Camerounais, je les aide sans distinction de peau. J'aide les Camerounais comme ça, quand j'aide, Dieu me donne de l'argent. Alors, puisque vous êtes, vous nous avez fait comprendre que vous êtes un dirigeant sportif. Oui.
Prenons le cas du football, oui, et principalement de l'Africa Foot. Comment comptez-vous décanter cette situation quand on sait que depuis plus d'une décennie, une seule équipe ou un groupe continue de diriger l'Africa Foot malgré tous les contentieux qu'il y a eu entre cette Africa Foot et le ministère des Sports? Ah, vous savez que c'est la... c'est le, moi, j'étais le dirigeant de football côté, j'organisais le tournoi pour Club Maman qui marchait un peu bien ici au Cameroun. La FECAF, vous savez que c'est un groupe de gens qui gèrent le football à leur propre compte. Je ne peux rien. Je suis pas président de la République, vous ne pouvez rien. Mais je suis, non, je dis maintenant là. Je vous pose la question. Je suis président, au lieu de président de la République, je ferai tout pour qu'on organise les vraies élections à la FECAF. Comment ça? Vous savez que le président actuel, le président de FECAFOOT, c'est son militant. Ils s'entendent bien. C'est les mêmes gens, les mêmes camps. Hein? Si normalement c'est élu, je saurais comment je veux faire partie du président. Vous savez que le président ne peut pas interférer dans les affaires de la FECAFOOT. Monsieur, il peut toujours. Il y a la FIFA, mais il peut toujours faire quelque chose. Mais alors, comment vous allez réorganiser notre football et votre politique sportive? En dehors de là, parce qu'il n'y a pas que la FECAFOOT, ça c'est une fédération, mais il y a toute une politique sportive pour remettre à niveau les footballeurs, le sport camerounais, etc. Comment vous allez réorganiser? Mais il faudra construire les stades déjà partout, hein, dans les 10 régions, dans les 58 départements et dans tous les... dans tous les arrondissements. Vous connaissez le PENDIS, le Programme National de Développement des Infrastructures Sportives? Pardon? C'est un peu le même projet que ce que vous voulez. Mais monsieur, parler sans réaliser, ça donne quoi? Vous allez réaliser? Oui. Mais donc, à quelle échéance? Vous allez construire tous ces stades et tout ce que vous développez à combien de temps? Vous avez dit que vous allez ramener le mandat à 5 ans, au moins une fois. Oui. Vous pensez que... c'est dans quel, à quel, vous vous projetez en quelle année pour que le Cameroun soit... Mais, mon premier mandat, monsieur le journaliste, je suis déjà un homme de terrain, je connais les problèmes de Camerounais. Hein? Je ne serai pas un président qui va rester dans les bureaux pour donner des ordres. Je suis l'homme de terrain. Quelle est votre ambition pour le Cameroun? Est-ce que vous pensez à faire du Cameroun un pays émergent? Et dans quel horizon? Un vrai bon pays émergent. Puisqu'il y a des gens qui font la campagne de promesses qui ne se réalisent jamais. Si les Camerounais étaient des gens un peu intelligents, ils devront tout faire pour ne pas voter le monsieur qui est au pouvoir. Puisque ce monsieur, tous les ans, il dit les mêmes choses. Depuis 30 ans, il ne réalise pas. Mais je me dis aussi que je conseillerais mes frères Camerounais, si ce n'est pas même moi, le président de la famille du Cameroun qui vont voter, qu'ils font tout pour voter l'opposition. L'opposition. Alors, justement. Pensez à qui? En ce qui me concerne, on termine en disant oui, mais le cas du leader du MRC, de son parti, sont encore sous observation, je ne sais plus quel terme approprié qu'ils ont utilisé, sont suivis de manière méticuleuse par la justice et l'administration. Et voilà, on informera au fur et à mesure l'opinion. Moi, je leur dis, ils n'ont pas besoin de se donner tant de mal. D'ailleurs, au lieu de dépenser les moyens de l'État, les meilleures ressources qui restent, une fois qu'on a soustrait de part et d'autre par la corruption et toutes sortes d'atteintes à la fortune publique, pour mettre pendant plus de 2 mois ici des gendarmes et des policiers, mais qui m'amène directement en prison? Qu'est-ce qui leur fait croire qu'ils vont continuer comme ça à piétiner les Camerounais de cette façon-là? Qui leur a donné le pouvoir de vie et de mort sur les gens? Qui? Et même s'ils arrachaient ma vie, je ne serais pas le premier ni le dernier à mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne veut mourir, mais il faut qu'on cesse de croire qu'on peut faire peur aux gens de cette manière-là. C'est totalement ridicule. J'en suis arrivé à un point où je me demande s'ils ont même, en fait, une vision pour le pays. Est-ce qu'ils ont une idée de là où ils veulent conduire le Cameroun? Parce qu'il y a des choses beaucoup plus urgentes, des problèmes sérieux. Nous n'avons jamais refusé d'apporter notre contribution à la recherche des solutions aux problèmes de ce pays. Mais au lieu de cela, on nous piétine. On essaye de manipuler les catégories telles que le tribalisme. On essaye
d'attiser la haine, d'inventer des choses tous les jours. Et ça, ça ne va rien changer à l'affaire. C'est même si je disparais, le problème du Cameroun reste. Alors, pour faire une dernière chose, qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous êtes à nouveau libre de vos mouvements? Qu'est-ce que vous allez faire? Mais évidemment, je vais vous continuer à animer plus que jamais mon parti politique, le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. On a voulu le décapiter, on l'a peut-être décapité en partie en envoyant nombre de ses cadres en prison, mais nous restons là et ils sont encore nombreux, ceux qui sont libres. On va travailler. On va travailler parce que notre option demeure la même, M. Zoukou. Le changement dans la paix et par les urnes. Et ça, ça se travaille. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est eux qui prennent les raccourcis. Nous travaillons auprès de la population. Je peux vous assurer, M. Guizot, que s'ils n'avaient pas la préfectorale avec eux, s'ils n'avaient pas la gendarmerie et la police avec eux, jamais le MRC, le RDPC, je dis bien, je prononce le nom de ce parti, jamais le RDPC ne ferait même 20% face au MRC. Oui, monsieur, crédibilité politique, Camteau, c'est Wallou. Lui-même, il vient de venir vous dire ce que vous, certains ont passé leur temps à venir à vouloir me combattre ici, tous les jours. La force de Nouma, il s'appelle Nouma l'imparfait, mais Nouma le constant, Nouma le cohérent, Nouma le persévérant, très courageux. J'ai foi en Dieu et je crois en moi. Voilà ce qu'il vient vous dire. Moi, je n'ai pas fait d'interruption. Je vous dis ça tous les jours. Moi, lui fait l'interruption. Il est devant, il est derrière. Il est devant, il est derrière. C'est ça. Il lui-même vient vous dire que les gens vont voler les élections, mais allons quand même. Oui, monsieur. On connaît un homme politique dans sa capacité à être constant. On ne peut pas vous faire comprendre qu'il faut savoir changer d'avis. Si tu changes d'avis pour faire les mêmes choses tout le temps, ça veut dire quoi? Non, dites-nous, qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? J'ai voulu échanger avec vous cet épisode du BICAM, Comedy Club, pour que tu comprennes, toi qui me suis, que je ne te dis rien ici pour salir ou pour nuire. Je te dis des choses pour partager avec toi ce qui se passe dans notre pays. Et que tu sois le libre arbitre de ta propre vie. Ta mère ne t'a pas accouché pour être un cancre, pour être bête. Ou tu votes ou tu ne votes pas, mais décide de ce que ton cœur te dit. Je ne peux pas passer mon temps à suivre des personnes dont tous leurs enfants Biya et ce genre de ministres, les généraux, les colonels, des hommes de l'opposition ont leurs enfants à l'étranger. Mais moi, je vais aller m'asseoir tous les jours quand ils sont là. Je perds ma journée de travail. Je perds mon transport. Je paye ce que je dois manger. Je m'en vais même encore cotiser pour des gens qui servent Biya sous couvert de l'opposition. Non. Ce n'est pas possible. Biya, même parfois, doit qu'il rampe pour que ta maman puisse être soignée à l'hôpital. Parfois, celle de réussir à trouver la santé à l'hôpital, on la bloque parce qu'il n'y a pas l'argent. Biya a donné ses avions. L'avion, bon, qui était l'avion de l'État, Biya a donné son avion pour transporter les opposants, amener leur famille se faire soigner en Europe. Allez poser la question à Jean Atanganandi, de son vrai nom et de son nom d'emprunt, John Fundi. Là, c'était un gars étonnant, Jean Atanganandi. Un gars habité en tout cas. On lui a donné le nom de John Fundi. Les étonnes du pouvoir, dont il était du club des Babettes. Parce qu'un vrai étonne est noble, est digne. Yes, sir. N'agis pas comme ça. Les vrais combattants à l'Ouest qui se battaient pour un idéal, vous les connaissez. Vous les connaissez très bien, vous les connaissez tous. Ceux qui sont morts pour une cause réelle. Des génies qu'on a tués. Le Neim, 23 ans docteur. Vous les connaissez. Le Laurent Moumier. Le Ernest Wandier. Vous les connaissez très bien. Ce n'est pas la bande aujourd'hui des gens qui ne sont pas capables de s'asseoir, de prendre leur couille en main comme ça, de dire voilà, nous sommes des opposants. Tout ce qui arrivera, arrivera. Passe leur temps à jouer au yo-yo avec l'opposition pour leur intérêt personnel. Viens vous embrouiller. Il vient maintenant parler.
coup d'État électoral, coup d'État électoral. On est même on sommes là plus d'un an d'élection. Ils commencent à pleurer aujourd'hui. Mais ils vous disent, allons. Il y aura coup d'État électoral, mais allons quand même. Allons encore trouver une autre vague de personnes pour aller nourrir la prison, pour aller nourrir les démons. On tue certains, d'autres on jette en prison. Vous êtes dehors avec Paul Biya. Vous dites que vous êtes des opposants. Dieu vous regarde. Et retenez ce que je vais vous dire à la fin ici. Toute personne qui agit comme ça, vis-à-vis du peuple, est un traître. Et d'une façon ou d'une autre, elle payera. Biya, après avoir utilisé pas mal d'entre vous, il est liquide. Et d'une drôle de manière. Vous êtes témoin de la mort d'Eric Paul Eric Kingé. Vous savez très bien qu'il n'est pas mort de maladie. Vous savez très bien. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Vous savez très bien qu'à cause de ce jeu que vous êtes en train de faire, en tout cas que certains d'entre vous font, Sop est mort, victime du même système. Vous le savez bien. Et je dis donc, tout animal qui a la queue n'échappe pas au piège. Le comportement que certains d'entre vous imposent à la scène politique ou au peuple camerounais, sous couvert du parti au pouvoir ou sous couvert de l'opposition, vous rattrapera par vous-même ou par vos enfants, par vous-même ou par vos femmes, par vous-même ou par les membres de votre famille, ou par les membres de vos familles. Faites attention. Vous n'avez peut-être pas le courage de dire des choses. Ce que je dis ici, ce n'est pas ma vérité. Je dis ici la vérité de notre environnement. Je n'ai pas ici la parole de Dieu. Je n'ai pas la parole de vérité. J'ai la parole des événements qui se passent autour de nous et que chacun est libre d'interpréter. Je les interprète donc fidèlement, sans rien extraire, sans rien ajouter, sans rien inventer. Comme le membre du Butam lui-même vient de dire, il a regardé une émission, date, avec précision, à Equinox, l'heure. Il a donné même la personne, décrit la personne qui parle. Et je vous décris donc la même situation en prenant ce membre-là pour responsable. Et je dis qu'il est complice, il est partenaire actif de ce que fait M. Biya avec beaucoup d'autres au Cameroun pour faire asseoir cette inertie qui coûte les vies au Nozo, qui coûte les vies à l'Ouest, qui coûte les vies à Yaoundé, qui coûte les vies au Cameroun, qui emprisonne des enfants qui ont eu le malheur de se promener dans le Sud, comme ce couple 5 ans aujourd'hui qui sont en prison. Ces opposants-là et M. Biya sont responsables de ce comportement. J'ai voulu échanger avec vous pour que chacun d'entre vous comprenne donc d'où je viens, qui suis-je, où je vais, pourquoi, comment, quand ou depuis quand je suis ce que je suis. Je suis ce qu'ils ont bien voulu que je devienne. Une résistance qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux et qui n'a qu'une seule chose, sa foi en Dieu, son courage et sa volonté de servir le peuple camerounais. Je n'attends rien de personne. Je ne dis que ce que je pense. Nous sommes là sur une plateforme sociale, publique, qui nous permet d'échanger. Suis-je d'accord? Non, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Que dois-je faire? Le dire. Et prendre la décision qui est la mienne. Alors toi aussi, tu es libre de dire et de faire ce que tu as à faire. J'ai dit. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat qui continue, continuera parce qu'un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif. Et je sais que vous êtes tellement variés dans vos domaines respectifs, dans vos intelligences, dans vos expertises, dans vos profils, que vous ferez du Cameroun ce que nos ancêtres ont toujours voulu, la capitale du paradis sur terre. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001-551-666-1027. I love you, but God love you more. Thank you.